Ouais, l'équipe, salut à tous. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match mardi à partir de 20h35 sur beIN Sport 1 et en direct de l'Allianz Arena. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, match comptant pour la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Match très important, match capital pour préserver la première place du groupe. Le Paris Saint-Germain, donc premier du groupe avec 15 points, 5 victoires, 0 match nul, 0 défaite. 24 buts marqués, seulement un but encaissé. Et le Bayern, juste derrière nous, avec 12 points, 4 victoires, 0 match nul, une défaite. C'était celle au Parc des Princes. 10 buts marqués et 5 buts encaissés. Donc, le match précédent entre ces deux équipes, c'était donc lors de la deuxième journée de Ligue des Champions. Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain l'avait emporté 3-0. Mais on se rappelle d'un Bayern qui nous a quand même dominé pendant tout ce match, la faute à qui? À nos joueurs qui avaient laissé beaucoup trop d'espace à cette équipe du Bayern. Donc, le Bayern, plus en forme que la fois où on les a rencontrés, que la fois où ils se sont déplacés au Parc des Princes, le Bayern qui ce week-end a gagné en championnat, contrairement à nous qui avons concédé notre première défaite de la saison. Donc j'espère que cette défaite contre Strasbourg ne va pas, porter préjudice à nos joueurs et j'espère voir des joueurs parisiens impliqués, concentrés, des joueurs parisiens agressifs lors de cette rencontre car la rencontre est très importante pour préserver, comme je l'ai dit en début de la vidéo, la première place du groupe. Je vois un match difficile, mais je vois quand même, je vois tout de même une victoire parisienne par un but d'écart. Je vois un petit 1-2 pour le Paris Saint-Germain. La compo que j'aimerais voir pour ce match, un 4-3-3, Areola dans les cages, Kurzawa latéral gauche, Alves latéral droit, la charnière Silva Marquinhos, Rabiot en sentinelle, Draxler milieu gauche, Verratti milieu droit et notre attaque habituelle, Cavani en pointe, Neymar à gauche, Mbappé à droite. Et pour les buteurs, allez, je dirais un petit doublé de Cavani. Voilà. Donc, mon pronostic 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Sinon, l'équipe, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça n'a rien à voir avec le foot, mais pour les gens qui ont la PlayStation 4 et ceux qui sont, comment dire, ceux qui jouent beaucoup à GTA 5 online, passez-moi votre PSN, donc soit sur Snap, soit sur Facebook, soit sur Messenger ou en commentaire dans cette vidéo. Et je me ferai un plaisir de vous ajouter pour qu'on puisse jouer à GTA Online, pardon, ensemble. Sur ce, l'équipe, bonne soirée à vous et on se retrouvera mardi pour le débrief. Ciao l'équipe!